C'est pour que je grimpe, j'imagine. Je vais aller voir quand même le petit dessin qu'il y a sur le côté là. Je sais pas si c'est ce qu'il fallait, mais... Ouais, j'ai que du paysage, donc à mon avis, j'ai d'autres choses à débloquer et je peux pas utiliser ça pour l'instant. J'imagine qu'il faut sauter, ouais. Voilà. Ça a l'air solide. Donc on est vraiment sûr du Assassin's Creed. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui? On dirait que c'est moi qui ai fait ça. Je dessinais ces trucs partout en ville quand j'étais gamin. Mais je me souviens pas de celui-là. Ça devait être il y a longtemps. Oh. Mais il est quand même vivant. Qu'est-ce qui se passe là, Splotch? Alors, essayer de peindre un génie. Ah, donc on peint des génies et concrète génie. Concrète, c'est mur, mur de pierre, etc. Ah, ça prend tout son sens. Essayer de peindre le corps de haut en bas. C'est incroyable. Ah non, de haut en bas, pardon. Ce pinceau est dément. Maintenant, pour peindre ses attributs. Lui faire voilà, trois cornes comme ça. Oh, c'est excellent. Il y a tout qui bouge. Tu es en vie? Oh, salut. C'est vraiment excellent comme truc. Trouver un moyen d'atteindre Bouna. Sur elle, hein, pour tu crois que tu pourrais m'aider? Mais non. Oh, j'y aurais pas pensé. C'est trop bien. C'est trop bien. Et j'imagine qu'on fait le tour. Hein, du coup. Les génies de feu peuvent faire brûler les bâches rouges. D'accord. Ok. Donc les couleurs vont être importantes. Peut-être qu'elle peut m'aider à retourner à Denska. Ok. Quoi grimper là? Non, j'ai rien. J'ai rien, j'ai rien. Qu'est-ce qu'on fait là du coup? Oh mince, ce truc violet, les ténèbres. Je pensais pas que c'était devenu si grave. Donc s'il y a des monstres sympas avec nous, ça sent les monstres pas sympas aussi. Ici, ça se répandait ici. Non, il a pas envie. Il a pas envie que ça se répande ici.
Ma peinture a illuminé cette partie. Ici, dans le phare. Il faut qu'on redonne à la ville les couleurs d'avant, pour le coup. Tu veux que je fasse ça ? Peindre toute la ville et lui rendre vie. À commencer par le phare. Je peux pas faire grand chose en étant bloqué ici. Ah ben voilà, j'ai voulu y aller trop tôt. Bon. Allez, et ben on Luna y va. T'es où ? Je pense que je dois allumer toutes les ampoules en peignant en dessous. Où restes-tu ? Ah, il y en a une là. Non, ça va, je peux pas. Oui, merci d'avoir installé la version d'Assassin's Creed, j'en aurais pas besoin. Ok, donc normalement j'ai tout fait. Ensuite... Ok. Continue. On continue. Est-ce qu'il faut faire tout le fort ? Oh non ! Il y a des ténèbres là-haut. Tu peux pas traverser ça, hein? Tu veux que je peigne ça? D'accord. Alors, t'en penses quoi? Wow! C'est quoi ce truc? Il peut me rendre la super peinture. Charge en énergie, c'est ça? Activer. Wow! Oh, trop bien! Ça permet d'effacer la C'est de la super peinture! Et voilà. C'était la dernière. Voilà, Luna. La voie est libre. C'est vraiment sympa, en tout cas. Tout est allumé. Voilà, c'est allumé aussi. Quand je fais le tour, il n'y a pas de collectible. Voyons voir cet interrupteur. Alors, si je l'active, il se passe quoi ? Que la lumière soit. Ah oui, ça va détruire le truc du coup du téléphérique et je vais pouvoir revenir. Oui. Zone terminée, d'accord. Donc le jeu se découpe en zones. La carte a l'air assez grande quand même. Tu as raison, Luna. Denska doit retrouver sa beauté. Je vais le faire. En tout cas, c'est très joli. J'aime beaucoup la patte graphique. Et mes dessins restent malgré les cinématiques du coup. J'aurais pu faire quelque chose de plus joli mais... voilà, on va pas s'arrêter là. Concrete Genie. Un bon tutoriel pour le coup qui te met bien en valeur. Donc les dessins ne servaient pas à grand chose du coup sur les murs. Ou alors on y reviendra plus tard je pense. C'est quasiment Salut, certain. Salut Luna, à plus tard. Mode peinture libre est disponible. Ah, je peux pas peindre sur tout. Ok. Et ben on va redescendre.
On va redescendre, on va retourner là où il y a les bullies, les enfoirés. Alors, les temps de chargement, faites voir un petit peu. Oh, ça va, c'est pas hyper long. Si les brutes vous bloquent, appuyez sur droite pour crier et les forcer à bouger. On dirait que je dois d'abord aller au marché aux poissons. Et le marché aux poissons, il est en face. Il est en face. Je me souviens même pas quand j'ai vu Cécile, le lion de mer, pour la dernière fois ici. Ah, le lion de mer, c'est pas une otarie, c'est pas un phoque, c'est un lion de mer, pardon. Alors, objectif, allumer toutes les ampoules de la zone 1 du port de pêche. Zone 1, 0 sur 2, zone 2, 0 sur 8. Ok. Ok, ok. Et ben... Les autres ont peut-être abandonné tout espoir pour cette ville, mais pas moi. Tac. Là. Ah oui, prends le bordel. On va se cacher sur les toits. Oh, joli tir! Regarde ces crétins d'oiseaux! Laisse-les tranquilles! Pourquoi? Ils sont débiles! Parce que je te le dis! Ah! M'oblige pas à te casser ta tête de rat! Ah, tu saurais même pas casser un œuf! Donc là, on a toute la partie infiltration, ou sinon, on risque de se faire bully. Par eux. Est-ce que je pense sur le crabe, il se passe un truc? Non, il se passe rien du tout. Par contre, c'est très fluide comme manière de faire. Niveau programmation, je sais pas comment ça a été géré, mais c'est très sympa. Ça serait drôle de pouvoir se créer des portes et de passer à travers les murs, du coup. Encore des ampoules. J'imagine que je dois commencer par là. Tac. Ah, j'avais pas vu tout en haut. Bah, du coup, on va mettre des étoiles pour le haut là. Cette ligne est allumée. Et maintenant? Alors, utilisez votre carte pour trouver les lignes d'ampoule et vérifier votre progression. Oula! Sacrée carte. Utilisez un pour changer les filtres de la carte. Ampoule. Ok. Changer de carte, zone 4 sur 4. Ah oui, donc là c'est le phare. Ah, alors c'est le phare. Par contre, on voit que j'ai fait que 3 sur 7 sur un truc et 4 sur 14 sur autre chose. Donc il y a quand même des collectibles en fait à aller chercher, à allumer ou des trucs comme ça. Bon, bon, bon. Bon. Bah, pour l'instant, on est que dans cette zone là. Et appuyez sur rond pour fermer. Mais je vais quand même ouvrir parce qu'à mon avis. Alors, est-ce que c'est marqué où je suis? Ah oui, il y a une petite flèche, je l'avais pas vue. Et la flèche d'en bas, c'est le téléphérique. Ok, donc ça ressemble à un truc un peu chapitre par chapitre. On peut retourner dans les options. Corne, quoi, antenne. Alors, ça sera peut-être important plus tard. Que fuseler. D'accord, donc pour l'instant on a que ça, et en génie on a mouche, étincelle, et zip. Zip il a pas l'air gentil, hein, zip. Ok, donc il y a pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il veut le petit hein? Hum,
J'ai pas moyen de restaurer ce truc là, on est d'accord. J'ai pas moyen de restaurer ça. Ok, et ben on va avancer du coup. Splodge vous aidera à trouver les lieux de peinture des génies. D'accord, en fait j'ai un capteur. Et j'ai des génies par terre, ok. Ah oui, je me souviens de celui-là. Donc c'est lui qui met son âme dedans pour venir nous aider. Ok. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Essayer de peindre le corps de haut en bas. Alors, on va faire lui, du coup, il avait l'air méchant. Et on va lui mettre des cornes. Et après? Non, je suis pas content. Bof, bof. Tac. Tac. Je le sens bien. Ouais, c'est pas mal ça. Allez, donnez vie. Va vite te rencontrer. Ah oui, du coup, il peut pas avancer. Pas ce truc ténébreux, hein. Moi non plus. Ensemble, on peut peut-être le nettoyer. Ah, il y avait une flamme. Tu as vraiment du goût. Je peux pas nettoyer ça sans super peinture. Ah oui, donc il faut leur faire plaisir. C'est l'heure du nettoyage de printemps. Oups, super peinture vide. Ok. Là, je peux y aller. Je vais pas y aller tout de suite. Zone terminée 1 sur 2. Ok, j'ai tout allumé. Ben ça, cette usine de sardines n'aura jamais été aussi belle. Ouais, j'ai dessiné un peu n'importe quoi, il y a une grosse pomme en plein milieu, mais. Tu veux jouer ? Personne pour m'aider ? Putain, je peux les nourrir et tout. Vache. C'est sympa. Ah, du coup, il m'a laissé une page. De la super peinture ? Avec joie ! Ah, je peux mettre des oreilles de lapin maintenant. Alors, si je vais par là, il y a quoi? Employé Omni. Oups. Je crois qu'il fallait pas faire ça. J'avais su, j'aurais appris à nager. J'ai pas l'air d'avoir de vie, cela dit. En tout cas, de part de vie. Tu veux encore des caresses? Qu'est-ce que c'est? Comment ça va? Caresser des chats. Oh, gentil petit chat. Ça fait forcément refait, ça. Je suis parti il y a 5 minutes, c'était Assassin's Creed, je reviens, c'est la Reine des Neiges. Bah ouais. Bah écoute, hein, j'y peux rien. Oh, t'aimes ça? Y'a un chat qui ronronne. Est-ce que je peux lui dessiner dessus? Alors, je peux même pas dessiner. Oh, ok. Hey, t'es gentil, toi.
Il y a forcément une utilité à cette interaction. Salut mon minou. Oh, gentil non, petit chat. Bon, bah, y en a pas. Bon, allez, c'est pas grave. Tenska Sardine. On va avancer. Hé, hey, par ici. Ah oui, il faut qu'il brûle le machin, là. C'est un mâche-feu. Alors... On était déjà parti à ce moment-là. Abandonné d'ici la fin de l'année. Un désastre environnemental force les gens à partir. On est vraiment dans une ville de merde et il n'y a que nous pour y rester. Quoi. Ah, alors là, il y a des étoiles. Là. Alors, est-ce que je peux... Enfin des étoiles. Je sais pas ce que ça a fait, mais ça a fait quelque chose. Alors, Chuck, Jenny, Froggy, ils ont dû jouer aux cartes, un truc comme ça.